Quel est votre nom? Fofana Mohamed Ali. Vous avez quel âge? Je suis de 89. Hein? 89. 1989. Oui. Où vous êtes né? En RDC. Où? RDC, République démocratique du Congo. Quelle est votre profession? Je suis juriste de formation. Vous êtes? Juriste de formation. J'ai du mal à vous entendre. Juriste de formation. Vous avez compris? D'accord. Où vous êtes domicilié? À Kipé. Actuellement. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Je vais résumer mes exposés en 30 étapes. Si vous ne faites pas l'effort de parler... Je vais résumer mes exposés en 3 étapes. Je serai très succincte. Depuis le début, je suis les exposés très attentivement. Mais il y a quelques points dont j'apporte au tribunal ce que j'ai su, ce que j'ai vécu. Donc, lorsque, à l'époque, je faisais le brevet, j'étais élève. Lorsque j'étais admis au brevet pendant les vacances, je partais à Kisoso. Donc, je suis allé à Kisoso pour aller faire 2 semaines à côté de mon oncle. Entre-temps, la semaine à laquelle je devrais me retourner pour aller à Kipé, ça a coïncidé au meeting au stade. Donc, j'avais mon badge du brevet avec moi qui servait à l'époque comme une carte d'identité pour moi. J'avais ça à moi et lorsque chaque matin je partais dans un café là-bas pour prendre Lipton ou un café noir. Donc, avec les jeunes qui étaient là-bas, bon, très motivés, chacun disait ils vont aller au stade pour aller suivre le meeting. Donc, comme je n'avais pas tellement de choses à faire à l'époque, bon, je les ai suivis avec l'émotion. En fait, c'est la crise qui m'a poussé d'aller au stade. Bon, on a bougé vers 7 heures, vers T5, on a pris la route pour continuer en allant au stade. Donc, il y avait un jeune parmi nous là-bas, il était sur la moto Honda Par, couleur rouge. Donc, je lui ai dit de me prendre parce que c'était un peu loin. Bon, il dit, ah, donc, on part et il ne veut pas être en retard. Non, il n'a pas accepté. Arrivé, nous sommes arrivés au niveau de Bellevue. On a trouvé des dispositifs là-bas et finalement, toujours il y avait la foule, très motivée, bon. On ne s'est pas arrêté, on a continué. Une fois au stade, en bas de la station, parce que c'est vers 10h, nous sommes arrivés au stade, on a trouvé que le stade était ouvert. Bon, on n'a pas trouvé Kiburo à la porte. Donc finalement, nous sommes rentrés. J'ai trouvé certains prières. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne priais pas parce que ce n'est pas un lieu propice pour prier. Donc, on a continué à chanter l'hymne national. Après, on est resté là-bas. Quelques leaders étaient déjà là. Bon, j'ai dit à mes amis, moi, je vais m'approcher vers les leaders pour pouvoir écouter ce qu'ils disent. Bon, on est en allant vers les tribunes là-bas. Entre-temps, c'est que entre 11h et 12h, bon, je voudrais ressortir pour aller acheter de l'eau. J'entends des coups de feu. Maintenant, le moment où je me retournais aller à côté de mes amis, le coup de feu a commencé. C'est qu'il y avait des militaires qui rentraient. Donc, je ne pouvais plus maintenant rester à côté de mes amis ni être au niveau des tribunes. C'est ainsi. J'avais un petit téléphone en main à l'époque qu'on appelait Bambetou Goza. Donc, il y avait la panique totale sur la pelouse, chacun se cherchait, ça tirait dans tous les sens. Bon, en courant maintenant, le téléphone était dans la main, je ne sais pas quand est-ce la balle m'a touché. J'ai regardé ma main, j'ai vu que ça
le centre de jeunes au niveau de moi-même. On a paniqué, je n'ai pas cherché maintenant à connaître où c'était, comment, quel est l'itinéraire là-bas. Finalement, j'ai grimpé vers le Sahara pour pouvoir me servir parce que c'était plus impossible de sortir vers la porte parce que chacun cherchait maintenant la tête. Bon, en grimpant, parce que beaucoup de gens sont sortis vers là-bas, bon, j'ai sauté. Une fois, parce que même dans les bousculades, certains sont restés parce que qui va sauter en premier, qui va passer, et il y avait tellement de brouhaha dans la brèche de Iboy. Donc, lorsque je suis descendu, j'ai sauté, je suis resté là-bas, il y avait un policier qui était juste à côté, il a dit, ah, en ce jour, c'est la Bible, c'est la Bible, Morinana. Donc, j'ai traversé sur les, sur le, à côté du pont du Madina. C'est ainsi que j'ai trouvé un véhicule de Croix-Rouge. Il y avait Suleiman dedans avec Ousmane Sow. Donc, ils m'ont pris, ils ont essayé d'arrêter l'hémorragie. Donc, il nous a conduit vers Donga. Une fois à Donga, j'ai vu l'atmosphère vraiment, c'était insoutenable. Il y avait des gens qui étaient couchés de façon vraiment délabrée. J'ai dit, moi, je ne vais pas rester ici. Donc, ils m'ont conduit. Ceux-là sont descendus à Donga. Ils ont tout fait. Moi, je ne vais pas descendre. J'ai dit, je vais aller à Niassidine. Celui-là est à Niassidine. Donc, ils m'ont accueilli. Ils ont voulu faire au bureau là-bas, au niveau du pavillon 1. Donc, ils ont vu que ce n'était pas possible. Ils ont arrêté l'hémorragie totalement. Après, ils ont fait la radio. Ils m'ont conduit au bloc. Donc, c'est là-bas maintenant que je suis resté. Et je les ai dit, j'ai un oncle qui travaille au niveau de cardiologie. Donc j'ai dit son nom. Après maintenant, ils ont fait l'anesthésie. Une fois, deux fois, trois, troisième fois l'anesthésie m'a pris. Donc je me suis endormi. C'est au pavillon 1 là-bas que je me suis retrouvé sur le lit. Je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé après, sauf lorsque je me suis réveillé, j'ai vu ma main plâtrée. Après, maintenant, j'ai demandé, ah, c'est quoi ça? Ah, tu es sorti au bloc. Donc, c'est ça qu'on a mis. J'ai dit, ok. Après, le lendemain, toujours, j'avais des gens qui venaient. Des gens venaient et un peu partout, donc des blessés. Bon, il y avait un cousin qui était à côté de moi là-bas, qui faisait mes petites commissions. C'est par après. Et troisième jour, en tout cas c'était dans la semaine, ministre de la Santé à l'époque et madame la directrice à l'époque sont venus me rendre visite. Parce que j'étais venu pour faire le tour au sujet partout où il y avait des victimes dans les salles pour pouvoir les rendre visite. J'étais poussé parce que je ne dormais pas la nuit. Il y avait des punaises qui étaient dans le lit, quoi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Quand je me couche, je ne dormais pas. Le restaurant qui était à côté, il veillait avec le gérant de là-bas. Donc, sauf le matin, vers 7h, 8h comme ça, je m'endormais. Des fois, les visiteurs venaient, je dormais. Maintenant, à l'arrivée du ministre à l'époque, il y a une infirmière qui est venue me réveiller. Il dit, il faut qu'on arrive à toi. Madame la directrice, monsieur le ministre se dirige vers ici. Je pense qu'il vient dans la salle ici. Je me suis réveillé. Je me suis assis dans l'espoir. Pour moi, il vient pour me soulager, remonter le moral. Mais c'était le contraire. Si ce serait, j'avais voulu m'arrêter pour qu'il puisse me voir très bien et puisse s'appeler. Donc, j'ai amené les deux sièges à côté, au sein de mon lit. Donc, je suis assis, il est en tenue ce jour-là. Donc, il m'a. Madame la directrice a fait l'exposé. Bon, c'est une victime, c'est un élève, tant de lecteurs stade. Donc, il m'a demandé pourquoi tu n'es pas tout stade. J'ai dit, ah, j'avais dit le meeting. J'ai dit, j'ai un regret très profond. Parce que je venais à peine d'avoir le brevet. Je me suis préparé pour aller continuer
le cursus scolaire, mais en vain. Maintenant, il avait dit trois mots différents. Pourquoi tu étais au stade? Et pourquoi tu as fait tout ce temps dans le quartier? J'ai dit non, moi c'est le même jour que je suis venu. Je n'ai pas fait trois jours. Bien sûr, ceux qui ont fait trois jours sont là-bas, moi je pas fait. Après, il dit non, d'ailleurs, ta main là, écoute, ma mère était plâtrée. Il me dit d'ailleurs, ta main là, c'est pas Kalash qui a fait ça, que c'est fils de ça. Il dit comment ça, comment on peut dire que c'est ça? Mais je ne connaissais pas la destination de là-bas. Je ne peux pas dire si c'est fils ou bien c'est Kalash. C'est ainsi qu'il a commencé à nous pointer sur nous, front comme ça. Finalement, je me suis revolté. Il dit, je ne peux pas venir me, comment dirais-je, menacer sur mon lit de malade encore. Donc, après, il a dit à madame la traitrice de s'en aller, que c'est un fou qui est sur le lit comme ça. Donc, ils se sont levés partis. À l'époque, il y avait, ce jour-là, il y avait des journalistes internationaux qui étaient là-bas. Donc, lorsqu'il est sorti, il a interviewé et il a dit à ces journalistes-là que non, que la plupart des morts, que c'est dans les bousculades qui sont morts. Et comment dirais-je, qu'il n'y a que 50 morts. Bon, après, il y a des journalistes belges. Certains aussi étaient français, étaient venus. Et revenus encore dans la salle, me demandé, je dis, ah, je dis, je ne serai pas filmé. Parce que la situation est mauvaise. J'ai peur. Je ne peux plus maintenant, comment dirais-je, m'enfoncer dans un autre problème. Après, maintenant, ils m'ont demandé, je dis, tout ce qui dit le nom des morts dans cette affaire-là, il a menti. J'ai dit, c'est du jamais vu. Depuis que je me suis connu, je n'ai jamais vu de pareil. Je ne me sentais même pas en Guinée. Donc, ce qu'il y a est le nombre de blessés, peut-être, mais le nombre de morts disparaît. Tout ce qui dit le nom, il a menti. C'est par après. Donc, trois semaines après, deux jours, ils ont essayé de m'opérer. Donc, de temps en temps, je partais à la maison, revenais faire le pansement. C'est dans la photo que vous avez comme ça, c'est j'ai pris ça à la maison. Je venais dans la semaine trois fois à l'hôpital pour faire le pansement. Maintenant, c'était dans la même semaine aussi. On était arrêté, il y a un camion militaire qui est venu rentrer à la mort de Niasirine, parce que j'ai suivi beaucoup de gens et n'ont pas signalé ce cas. Donc le camion a fait ma serrure et rentré et puis ils avaient saché tout le monde à la mort. Donc tout le monde, toute personne qui était là-bas ce jour, peut témoigner peut-être, il y a certains même qui se me suivent comme ça. Maintenant tout le monde s'est arrêté, les regards en distance. Parce que le mur entre la morgue et la grande cour n'était pas tellement élevé comme ça. Tu peux t'arrêter en distance et regarder dedans. Maintenant ceux qui étaient dans la banque militaire, ils avaient le mouchoir attaché au niveau du nez pour ne pas dévisager. C'est par après, il y avait, je crois bien, deux personnes qui étaient dans le camion, deux autres en bas. Ils faisaient descendre les corps comme des sacs de riz. Ils faisaient descendre pendant 30 à 40 minutes comme ça. Ils ont fait ça. Bon, je ne sais pas s'ils avaient reçu un consigne de partir ou quoi, ou bien si c'est la mort qui était remplie de cadavres, le reste qui était à terre, ils ont fait remonter encore. Après, ils se sont arrêtés, ils ont pris la carrosserie du camion pour s'arrêter, pour ne pas que les gens voient l'intérieur. Ils sont remontés, aller à la destination inconnue. Donc, ce que j'ai vu, monsieur le président, c'est ça que j'ai pu rapporter à la cour. Mon côté, mon grain de sel. Ministère public, question. Merci, monsieur le président. Monsieur Ali. Monsieur le procureur. À la belle vue. Vous avez quel est le dispositif que vous avez trouvé? C'était la gendarmerie ou bien c'était un dispositif mixte? Non, c'était la gendarmerie.
la gendarmerie seulement. Alors, c'est une balle que vous avez reçue au niveau de bras. Pardon? Une balle que vous avez reçue? Oui, oui. C'est une balle que j'ai reçue. Une balle. Oui, oui. En dehors de ça, vous n'avez pas eu de fracture? J'ai eu. Tout est expliqué dans mon procès, dans mon certificat. Alors, quand vous avez été admis par... Vous avez été secouru par la Croix-Rouge, oui. Admis à l'hôpital d'Onka. Qu'est-ce qui vous a animé? Nyasidim. Qu'est-ce qui vous a animé dans un vous dites que vous avez dit que vous ne pouvez pas rester là-bas. Non, l'endroit était vraiment inespéré. Qu'est-ce qui vous a amené à dire cela? Parce que les gens qui s'est poussé étaient poussés vraiment blessés de façon, c'est-à-dire, ils ne sont pas entretenus, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, les gens étaient couchés pêle-mêle. À même le sol? Oui. Mon ami Ousmane, c'est après, lorsqu'on se sépare là-bas, on se voyait à la réunion, on n'avait pas souvent. Il a fait 3 jours sans qu'on le touche. Peut-être il va passer ici. Donc, 3 jours? 3 jours. C'est le 3e jour ou 4e jour qu'il a été. On l'a touché. Donc vous confirmez que les victimes n'étaient pas dans les conditions de soins appropriées? Ah, c'était pas. Alors, avant votre intervention, avant que vous ne subissiez l'intervention au niveau de votre bras, vous dites que pendant que vous étiez là-bas, vous avez reçu la visite de la directrice. Il s'agit de quelle directrice? À l'époque. Vous pouvez la nommer? La directrice à l'époque de Nyasin, je ne sais pas si c'est. Elle avait du teint clair comme ça, taille moyenne, soit si c'est Fatou Souké ou quoi. En tout cas, bon, je ne connaissais pas, j'étais traumatisé. Mais c'était une directrice quand même. L'infirmière a dit, la directrice et monsieur le ministre vient par là. Je crois bien que c'est pour te rendre visite. Est-ce que vous ne faites pas une confusion entre Donka et Yastine? Non, moi j'étais à Yastine. C'est à Yastine où vous étiez? Il était assis en face de moi, au sein de mon lit. Ok. Il était accompagné par qui? Par le monsieur le ministre. Quel ministre? Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Oui. Qui vous a appris? Qui vous a fait ce signe-là au niveau de la tête en vous tenant des propos? C'est le ministre. C'est le ministre, son nom? Colonel Gabi. Gabi. Oui. C'est lui qui vous a dit pourquoi vous êtes allé au stade? Oui, en me poussant sur le front comme ça. En me tapant sur le front, quoi. Le doigt au niveau de front. Oui. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas être victime et être victime de... Que je ne peux pas être... C'est-à-dire, j'ai mon regret d'avoir... J'ai le remords, j'ai le regret pourquoi je suis allé et puis je ne sais pas, j'ai le souci comment continuer mes études parce que c'est avec ma main droite que j'écris. Maintenant, j'ai ce souci-là, maintenant pour moi, il est là, il est venu pour remonter mon moral et me consoler. Ainsi, il a fait ses gestes pareils aussi. Donc, j'étais déçu. Vous étiez déçu? Vous étiez déçu. Alors, je ne m'attendais pas, voilà. Quand je l'accuse ici, à l'au-delà, c'est que Dieu va me punir. Je ne peux pas, c'est que je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, mais je rapporte les faits, je le jure. Après votre intervention, vous avez fait combien de jours? J'ai fait 3 mois. 3 mois, le oui. C'est à cause des punaises là même. Il y avait à l'époque le surveillant général, Dr Silla. Il était là-bas, il m'a dit il faut rester. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir parce qu'il y avait le jeune qui amenait le manger. Il y a des communautés guinéennes aussi qui étaient... C'est-à-dire qu'ils amenaient des enveloppes, quoi, en disant c'est pour toi, c'est pour nous, ce n'est ni pour ta mère, ni pour ton père, c'est pour toi, tu donnes à qui tu veux. Donc il y avait plein de dîners, peut-être des hommes. Maintenant, ils amenaient le manger. Le matin, le pape, des fois Rigra, des fois Rico, ils nous amenaient ça. Donc j'ai dit à Dr Silla, j'ai dit je ne peux pas rester, il y a la punaise, parce qu'il ne dort pas la nuit. Le gérant, à l'époque, même, c'est que l'action-là est très palpable. Et la peine judiciaire est passagère, mais la peine morale, c'est à vie. Ils n'ont qu'à dire la vérité. C'est beau. Okay, voilà. Alors, pendant que vous étiez, vous dites que vous étiez à l'hôpital, vous avez constaté la présence de véhicules militaires. Je le jure. C'était la nuit, la journée? C'était entre 14h et 15h. C'est tout le monde ce jour-là, tout le monde a vu ce camion-là. Ils ont embarqué les corps? Oui.
Et ils ont pris une destination que vous ignorez. Ils sont remontés, destination inconnue. C'était... Peut-être les riverains qui sont là-bas, et au bord de la mer, c'est un peu témoin. Parce que vous savez, en tenue de la justice, est mystifiée. Les gens ont peur de devenir témoins. Sinon, l'action-là, beaucoup sont témoins. Beaucoup ont vu. C'est que je ne fais que rapporter ma part, sincèrement. Je le jure. C'est que je ne suis pas là pour enfoncer quelqu'un. D'autres questions? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Au moment où on débarquait les corps, est-ce que le colonel Diaby était présent? Non, il n'était pas là-bas ce jour-là. Il n'était pas là-bas. C'est après, je ne sais pas si c'est le troisième jour. En tout cas, c'était la semaine où il était venu. Rendre visite aux malades et aux victimes. Maintenant, c'est dans la même semaine, le camion s'est débarqué à la morgue là-bas. Donc, ils ont débarqué beaucoup de corps? Beaucoup de corps, là. Il n'y avait plus de place dans la morgue? Bon, c'est entre les deux cas. Soit la morgue était remplie, soit ils ont reçu une consigne, ils ont fait remonter le reste du corps, ils sont remontés vers la destination inconnue. D'accord. Vous dites que quel est le chemin qu'ils avaient pris? Ils sont remontés, c'est-à-dire au niveau de la commune. Ils sont remontés au niveau, c'est au banlieue. Vers la banlieue? Oui. D'accord. Et est-ce que la pharmacie avait été saccagée en votre présence? Non, moi j'étais pas dans le cas. Vous n'étiez pas là-bas? Oui, moi j'étais en Assemblée. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense.